Tu veux que ton crépi colle, tu presses une guenille, tu frottes un peu partout, tu attends qu'il colle, puis après ça, tu mets ta couche de crépi. Ça colle pas sur toutes les substances, c'est pour ça que des fois, il faut passer une guenille, bien imbibée. Ici, la grosse craque de malade, là, on la voit plus. La craque de malade qui était là, on la voit plus non plus. Celle-là non plus. Le coin ici était tout cassé, pour ceux qui s'en souviennent. Même affaire avec ce coin-là ici. C'est complètement cassé, il est plus complètement cassé. Là, l'idée, là, le mur ici, là, retaining wall, là, il tombe. Et là, si tu veux, là, tout la remplacer, ça coûte une fortune. S'il tombe juste un peu, tu mets une vis dans là, tu mets une vis dans l'autre avec des grosses têtes, puis tu colles du béton. Ça va faire le phénomène d'une clé Saint-André, mais, ou presque, là, mais ça va empêcher le mur de continuer de descendre. Ici, ben, tu coupes le coin au complet, paf, 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 tu mets une nouvelle dalle, un bon saut. Mais ces petites affaires-là, tu peux le remplacer. Tu peux le réparer. Celle-là, tu peux le remplacer. Celle-là avec, réparer, je veux dire. Ici avec. Des beaux petits spots, tu passes ton éponge. Ici, il y en avait une belle, là. C'était pas petit à peu près. Il y en avait une qui descendait au complet, là. Parti d'en haut jusqu'en bas, part. Encore là, le coller, là, une bonne guenille avec du crépi dessus pour que ça colle, là. Ça reste que ça l'aide énormément. Un bon truc de René, puis ça marche pas bien. That's it, that's all. C'est bon maintenant. Bonne journée, mon chien.